On fera un focus dans la deuxième partie sur les stades de la CAN, mais avant, le premier volet sera consacré à la mise en œuvre de la politique nationale du sport, une stratégie qui passe par les actions prioritaires. En clair, c'est un vaste chantier que nous allons découvrir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Faisons d'abord un état des lieux avant de dérouler la feuille de route du ministère des Sports. La Côte d'Ivoire solidaire offre à sa population des opportunités et des raisons de croire en l'avenir, de rêver grand. Dans cette perspective, les infrastructures sportives et récréatives ont un rôle important à jouer. Un esprit sain dans un corps sain, une population et le sport, une population et les loisirs, des corrélations évidentes. Avec la formation, le financement des projets, le sport fait donc partie des secteurs sur lesquels le gouvernement va s'appuyer pour donner du contenu à travers la création des infrastructures sportives de proximité. Cela s'inscrit dans le plan national de développement du ministère des Sports qui prévoit à terme de développer 91 complexes sportifs multifonctionnels de proximité sur tout le territoire national. Ces complexes sportifs dénommés Agora visent à rapprocher les populations des lieux de pratique sportive. Ici, nous sommes à l'Agora de Kumasi qui a servi d'Agora pilote, qui a été inauguré par son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, et qui a permis donc de lancer un vaste projet d'Agora, de faire en sorte que dans la proximité, dans tous les quartiers et en zone urbaine, nous puissions développer un concept où les jeunes se retrouvent pour préparer leur avenir, pour vivre dans un climat différent. À terme, ce sont 90 agora que nous devons avoir dans ce pays. Feedback pour en savoir un peu plus sur la dénomination de l'agora. Agora, autrefois en Côte d'Ivoire, était un espace de discussion de rue qui regroupait la population constituée en majorité de jeunes, adultes, dans les rues d'Abidjan et dans certaines villes du pays. Il était appelé Parlement, Agora, Congrès ou encore Grain, mais aujourd'hui l'agora a pris une autre connotation. C'est devenu un lieu de pratique de sport de façon plus claire. C'est une infrastructure sportive de proximité. Aujourd'hui, nous avons voulu, en partant de ce concept de démocratie, parce que l'agora, dans la Grèce antique, c'était le lieu où l'on se retrouvait pour débattre. C'est le lieu où on se retrouvait pour développer la citoyenneté. Aujourd'hui, c'est un lieu où, par le sport, on construit la citoyenneté. Par le sport, on resocialise les jeunes. Mais par le sport, on crée des perspectives pour la jeunesse. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du sport 2016-2023, le gouvernement ivoirien s'est engagé à promouvoir la pratique du sport pour tous sur l'étendue du territoire national afin de contribuer au bien-être et à la santé des populations. L'agora, c'est aussi la musique. L'agora, c'est l'entrepreneuriat. L'agora, c'est l'initiation au bénévolat avec les ONG. Et l'agora, c'est ça. Permettre aux jeunes de sortir du vice et d'aller progressivement vers la citoyenneté par la vertu du sport, le sport qui est discipline, le sport qui est convivialité, le sport qui est le respect des règles. C'est ça l'agora. Le programme d'appui à la promotion du sport de masse et du sport pour tous, dont l'objectif majeur est d'augmenter le taux actuel trop faible de la pratique sportive dans notre pays, est soutenu par la construction d'infrastructures sportives adéquates. Le premier gros pilier de notre stratégie d'infrastructure sont les infrastructures de la CAN. Nous avons les agora, mais nous avons aussi des infrastructures de lutte contre les noyades que nous avons constatées pour la jeunesse. La Côte d'Ivoire est un pays où nous avons connu ces dernières années, chaque année, plus de 200 jeunes qui sont tués dans les rivières, dans les mers, dans les piscines même privées. Il fallait donc éradiquer cette pandémie. Donc nous avons développé un projet d'aisance nautique, ce qui nous amènera à construire cette année 4 nouvelles piscines dans le cadre de l'année de la jeunesse. Et nous venons d'inaugurer d'ailleurs, après réhabilitation, la réouverture de la piscine Dominique Ouattara de Benjaville. Ensuite, ça sera la piscine de Boaké et à Abidjan. Nous avons la piscine de Kumasi qui est en cours de construction, la piscine d'Abobo, la piscine de Yopougon, la piscine bien sûr d'Atekoubé. Et très rapidement, nous allons développer
dans la proximité, l'aisance nautique. Cet ambitieux programme vise à modifier les habitudes des populations, prévoit stratégiquement de rapprocher les lieux de pratique des populations. Né des relations de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, ce programme dénommé Programme Agora est une réponse au support indispensable à la vulgarisation du sport de masse. Le projet de l'Agora fait partie des axes prioritaires du gouvernement ivoirien, à savoir doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures de qualité, développer la pratique du sport et accroître les opportunités d'emploi dans ce secteur. Un projet qui vise à améliorer l'offre infrastructurelle en créant des infrastructures sportives avec terrains multifonctionnels couverts. Ces 91 agora permettront, dans quelques années, de doter le pays de sites pour les sports de combat, 50 salles de fitness, 200 terrains de sport multifonctionnels extérieurs, 30 terrains de football, 15 parcours de santé et 10 rings de boxe. L'une des particularités de ces agora, c'est qu'elles constituent des infrastructures autonomes en énergie. Le bâtiment dispose sur son toit d'une centrale solaire garantissant son autonomie énergétique en programmation quotidienne. Alors un tour dans la commune de Koumassi pour voir le tout premier agora flambant neuf sorti de terre. Je joue contre qui? Qui passe de l'autre côté? Je vais jouer. Mais où est la balle? Où est la balle? Les boules sont là, viens avec. Il y a une boule là. Vas-y, mets directement les boules. Vous avez l'habitude de venir jouer ici? D'abord. Voilà. Elle a marqué par hasard. Situé en plein cœur de la commune de Koumassi, ce chef-d'œuvre sportif vient s'ajouter aux différentes réalisations que connaît la belle cité de Koumassi. Donc tu viens jouer ici souvent? D'accord, c'est bien ça. Ce projet innovant réalisé par l'entreprise française, dont la vocation est de mettre le sport au service du développement pour les jeunes et les moins favorisés. Construit sur un terrain de 3 hectares, c'est un complexe sportif ultra moderne à haute portée sociale. Le projet Agora a commencé à vraiment changer les mœurs des jeunes, a commencé précisément dans ce quartier-là, qui était un quartier local très proche où il se trouve, on a beaucoup de jeunes vraiment qui sont dans des conditions vraiment là où ils n'ont vraiment pas accès au minimum qui est l'infrastructure sportive. Mais avec le projet de Win-Win et de l'État ivoirien, aujourd'hui ce programme permet à ces jeunes de s'occuper sainement, d'avoir ces infrastructures là. Non seulement aussi, ces infrastructures permettent aussi d'avoir un impact aujourd'hui sur nos ménages qui sont autour, parce qu'aujourd'hui ils donnent de l'emploi de manière indirecte. Voilà, c'est plus de centaines de ménages qui sont impactés grâce au projet Agora. Chaque fois que nous avons des événements sportifs et culturels, c'est des moments, c'est des jeunes, c'est des opérateurs économiques qui bénéficient directement de manière indirecte. Le programme Agora vise à encourager la pratique des activités sportives et physiques par 60% de la population. 8 sports sont prioritaires, le football, l'athlétisme, le basketball, le taekwondo, le judo, le handball, la boxe et le rugby. L'objectif visé par le ministère des Sports est que chaque habitant ne soit pas éloigné à plus de 3 km d'une infrastructure sportive. Ce beau site, l'Agora, où nos jeunes, même les adultes, viennent se défouler, viennent s'amuser et dans le sport de tout genre, le basket, le rugby, le football, l'handball et même aussi les événements, les concerts, ce qui se passe ici. Donc la population de Sikoji se réjouit de ce beau cadre-là. Espace communautaire de proximité, l'Agora favorise la cohésion sociale et le développement économique. Outre les infrastructures sportives, ce complexe sportif abrite des boutiques, une supérette, des maquis, un glacier. L'Agora réunit aussi des opportunités de formation et génère des centaines d'emplois. Pour le ministre des Sports, Dan Opoulin, l'Agora apporte une valeur ajoutée au développement du pays. Le ticket il est à 500. D'accord, et ça donne droit à combien de... Ça donne droit à une partie de jeu. Une partie de jeu, ah, d'accord. Mais ils peuvent également prendre le bracelet, par heure ou par... Ah, il y a des bracelets aussi par heure. C'est ça, par heure ou par jour. Donc il y a des enfants qui viennent, le parent il vient. Le dépose. Le dépose. Il a le bracelet toute la journée. Toute la journée, il vient le chercher toute la journée. C'est intéressant ça. Oui, c'est très intéressant. Voilà. Non mais moi je suis très impressionné parce que ça correspond
à l'idée que nous voulons que l'Agora soit un lieu à la fois de jeux physiques, d'activités pratiques, d'activités physiques et sportives, comme on a vu le basket, le taekwondo, tout ça. Et soit aussi un lieu de socialisation des jeunes. Parce que quand ils sont ici, ils ne sont pas dans les bars. Ils sont dans un cadre beaucoup plus assaini. Et aussi les jeux qu'ils font, c'est les jeux qui développent leurs réflexes. Voilà. Et c'est ce que nous souhaitons. Je suis vraiment agréablement surpris parce que l'environnement est sain. En plus, c'est climatisé. Donc, quand il fait chaud, c'est bien de... C'est agréable. C'est agréable. Et puis, les parents peuvent laisser les enfants en sécurité dans un espace de convivialité et puis aller faire des courses. Ici, rien n'est fait au hasard. Tout a été calculé d'avance pour offrir un cadre agréable à tous. À vue d'œil, l'occupation du terrain est impressionnante. Plusieurs disciplines à la fois sur chaque superficie de l'Agora. Ah, le vélo, c'est le VTT. Waouh! Bravo! Bravo! À côté, on fait du fitness au son de la musique. Ce sont des mouvements en harmonie dirigés par un coach. Comme vous le constatez, hein, l'Agora c'est vraiment l'espace de vie. Voilà, autant vous avez des jeunes qui jouent au Maracana, vous avez des jeunes qui étaient au Taekwondo en mettant en place un tatami. Ici vous avez des personnes, des adultes et des personnes de troisième âge aussi qui viennent après avoir fait de la randonnée pédestre dans le quartier, qui viennent pour essayer de se relaxer, faire du fitness. Voilà. Vous-même vous voyez l'espace, comment ça est? C'est une opportunité pour tout le monde pour faire le sport. Le sport, il n'y a pas à faire de date dedans, tout le monde peut le faire. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la santé. De l'autre côté, c'est une autre discipline, le basketball. Le ministre Adam Opolin fait montre de son talent. Avec lui, le sport n'a pas de limite. Vous aurez pu shooter à trois points. Vas-y, Marc, vas-y. Voilà, mais vas-y, au rebond. Ouais, bravo! Après le basketball, place au karaté. Dan Opolin se dirige vers les futurs jeunes champions qui représenteront un jour le pays dans de grandes compétitions de karaté. Ce sont les filleuls de Cissé Cheikh Salah et Ruth Babi, deux grandes personnalités du monde du taekwondo qui font toujours la fierté des Ivoiriens. Impressionné par le talent des tout petits, le ministre observe avec admiration. Cet espace-là, on ne peut pas se promener car c'est ici chez nous. Plus tard, je souhaiterais devenir un grand champion de karaté. Vraiment, on est très content de voir les ministres venir jouer avec nous car cela nous fait très plaisir. Ces occasions comme ça, c'est très rare de nous aussi. Donc, quand le ministre est là, nous en est très content et ça nous donne de l'inspiration pour jouer au football. Vraiment, ça nous pourrait beaucoup aussi plus venir pour regarder de temps en temps nos entraînements à Agora. Co-financé par la France et la Côte d'Ivoire, le projet de l'Agora vise à encourager la pratique des activités physiques et sportives par 60%, la délinquance juvénile, l'exode rural et l'immigration clandestine. L'Agora de Kumasi accueille 6000 sportifs par semaine, dont un tiers d'élèves, de collégiens et de lycéens. Finalement, j'ai eu cet endroit pour faire la kermesse éthique. Car c'est un endroit merveilleux à Kumasi, Agora. Je vous invite tous à venir faire la kermesse ici, car c'est un endroit très merveilleux. Comme vous le voyez, l'Agora, c'est un lieu utile. On a eu le sport, on a eu les loisirs, mais aussi on a ici les enfants et les jeunes des lycées et collèges qui ont terminé l'année, qui sont en kermesse. Et pratiquement tous les collèges, quand ils ont des moments de fin d'année, des fêtes de fin d'année, se retrouvent ici. On peut dire que l'Agora, c'est vraiment un lieu utile. Thank you.
Ce sont aussi 600 femmes de Kumasi qui pratiquent une activité physique régulière. L'Agora, vraiment, pour nous, c'est d'être à la proximité de la population et c'est de permettre à la population de ne pas se vider aussi. Voyez-vous, au niveau de Kumasi, ça a eu un impact très positif parce que les populations, ça donne maintenant à la pratique du sport. J'invite tout le monde, toute la population de Kumasi à venir s'adonner à la pratique du sport. Parce que le sport, c'est pour notre bien-être et le sport, c'est pour notre santé. Le complexe sportif socio-culturel Agora de Kumasi est le modèle du programme sur lequel 91 autres seront construits et adaptés sur l'ensemble du territoire national. La construction de ce projet pilote a duré 16 mois. Il a été inauguré par le président français Emmanuel Macron qui a annoncé l'appui financier de son pays portant sur la construction de 10 agora. C'est un projet pourvoyeur d'emplois si cher au président Alassane Ouattara qui a dédié l'année 2023 à la jeunesse. Avec le financement de l'Agence française de développement, 5 sur 10 agora sont en construction ou en livraison. Les 5 autres seront lancés dans les prochains jours. Dans cette même dynamique, le ministère des Sports a procédé à l'inauguration de l'Agora d'Abobo le vendredi 12 mai 2023. Vous pouvez être fiers de l'ouvrage que nous inaugurons en ce jour, parce que c'est un joyau multifonctionnel. Et c'est bien la volonté du président de la République d'offrir dans la proximité des infrastructures sportives aux populations. Ils vont s'occuper sainement, ces jeunes, en menant des activités sportives et en consolidant la cohésion sociale. La jeunesse d'Abobo avait besoin d'un cadre enchanteur comme celui-là. Le lancement des travaux de l'Agora de Touba a été réalisé le 3 mars 2023. Les villes qui attendent le lancement des travaux sont Guiglo, Buyo, Péoumi, Mbato et Boundiali. Au-delà de la pratique du sport, l'Agora a également pour but de faciliter l'accès à l'éducation, à la santé et de développer l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes. Outre ces grands projets d'Agora, 4 piscines olympiques et 2 complexes omnisports seront construits dans les communes d'Abobo, Atekoubé, Makori, Yopougon pour un coût global de 16 milliards de francs CFA financés par l'État de Côte d'Ivoire. L'année 2023 verra également le lancement des travaux de construction de 191 infrastructures sportives de proximité dans les capitales régionales, départementales et communales sur toute l'étendue du territoire national. Le montant global du programme est estimé à plus de 45 milliards de francs CFA. En décembre 2023, ce projet sera à 50% de taux d'exécution. L'impact principal, c'est que nous avons recentré les jeunes dans des espaces aménagés et dans des espaces de convivialité, des espaces d'éducation. Par le passé, les jeunes étaient laissés à la nature. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de lutter contre la fracture numérique, faire en sorte que les jeunes soient initiés sainement à l'Internet, sainement au métier du numérique. Et c'est cela que permet les Agora. Nous avons besoin que les jeunes se retrouvent pour une pratique saine du sport dans un cadre assaini, convivial et encadré. C'est cela les Agora. Agora, piscine olympique, réhabilitation d'équipements sportifs et construction des stades à la dimension internationale qui abriteront la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire lance la course de vitesse pour l'émergence du sport. Vous venez là de comprendre, de voir la stratégie nationale du sport qui met l'accent sur la construction, la réhabilitation d'infrastructures sportives aux normes internationales en vue de l'organisation de la CAN. Nous sommes donc en route vers la CAN et ce sera le deuxième numéro de la Côte d'Ivoire en marche que nous allons développer dans quelques semaines. Merci de nous avoir suivis. Votre magazine a été réalisé par CC Images.